Même les gens du peuple pensent comme ça. Puisque vous êtes là, rendez-moi service et apportez ça au monastère. J'aimerais que vous sachiez à quel point ce monde peut être cruel. De quel monastère s'agit-il exactement ? Saint-Glenmont, tout près de la crique des Tourments. Je connais assez bien l'abbé. Dites-lui que je vous envoie. J'avais prévu de lui remettre ce sac. Ok. Et les bouffons. Alors, est-ce que je vais passer par l'ascenseur ou pas du coup? 300 mètres. Je pense, hein. Venez voir mes produits. Venez. Ah ouais, c'est ça. Parfait. Parfait, parfait. Cette histoire de sélection des enfants, même si je connaissais l'existence de ce processus, c'est cruel. Les gens pensent que c'est la meilleure solution. De là à en vouloir à son enfant, parce qu'il a eu le malheur de venir au monde avec ce don rare. Tu sais, je me rends compte à quel point nous étions naïfs. Ouais. Je suis prêt. Oh, il y a une tortue géante. Avec un peu la tête. Regarde, tu veux sa barre blanche ouvrir là ou pas? Regarde la barre blanche. La barre jaune, pardon. Ouais, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse. J'avais pas vu. Relou la tortue, hein. Ok. On va jouer un peu plus safe contre elle là. Ah la goutte d'eau, à chaque fois j'arrive pas à la voir. Rien. Soignez-moi. Et boum. Au nom des flammes.
Elle est bientôt morte. Elle meurt, non? Relou ce monstre, hein. Très relou. Ok, y a pas de coffre du coup. Y a pas de coffre à voir. Merci. Eh mon dieu, comment tu vas? Ok, merci à toutes. Oh non, pas encore une tortue. Dans la midlife, pas mal. Aïe. Doué à l'œil. Let's go. La tornade. C'est un peu plus simple que la première fois. En plus, level up. Je vais demander de plus. Thank you. Et un chocobo shiny là-bas. Vous voulez chasser les chocobos ou pas?
Ouais, c'est des ennemis. Oiseau bleu. Des ressources, hein. Gratuit, pas cher. Je suis prêt. Voilà. Alors, le monastère est en vue, mais on n'a pas fini. On va explorer tranquillement, on n'est pas pressé. À l'attaque. Faut qu'on regarde si je peux acheter le truc. Alors, est-ce que je peux acheter la compétence 1700, je peux l'acheter. Ok, on va la tester du coup. On va virer la plume, je pense. Basique. J'aimerais bien intervertir les deux sorts du coup. Et lui, je pense qu'il est plus loin à charger. Je peux intervertir les deux sorts ou pas? Et voilà. Ok. Perfecto. Il y a des nouveaux items que j'ai pas vu. Non. Peut-être là. Non. Ok. Il y avait une plante là. Non, il y a un chocobo. On va tester le phénix, t'es prêt? T'es prêt? Pas mal. Pas mal, pas mal. On va avancer, hein, il déplante là. Je suis prêt. Ça suffit. Termine. Adieu. Aïe. Ok. Là-bas, il y a encore un objet. Waouh, un taurus. Ça va pas être simple. Okay.
Pas mal le petit phénix, j'aime bien. On changera évidemment plus tard, mais pour l'instant. Ok, ben il fait ça, faut partir. Et boum! Il y a un coffre là. Il était bien caché le petit. Petit pot épais, hein, ça régale. Hein. Et quand on reviendra crafter des choses, on sera blindax chez blindax. Ah, il est trop loin. Mais ok. J'aimerais bien mourir un jour d'ailleurs, voir ce que ça fait dans le jeu. Pour l'instant, on est mort 0 fois. Bon, ça risque d'arriver quand on aura plus de potions ou quoi, mais pour l'instant, on est mort 0 fois. Ça c'est pour plus tard, j'imagine, le pont-levis. Je vois là à gauche. Voir s'il y a un autre chemin, peut-être avec un petit monstre. Ah, un petit objet, let's go. C'est le premier truc que je vais vous montrer, c'est ça. Le combo R1, R2 là. D'animaux. Il reste là-bas et après go la mission. Hein. Bah, allez ici. Hein. Quoique, peut-être là que j'ai tué la tortue. C'est là que j'ai tué la tortue. Okay. Alors, comment je fais pour aller là-bas? Par le pont, puis à droite. Tadam.
obligé d'aller là-bas. Hein. Il va y avoir un boss ici, là. Un boss de fou, là. Même pas, il y a juste des crabes. Let's go. Ok, c'est pourquoi des pétoncles à épines. Un petit coffre là, non? Ah si, eh hey. Oh, c'est un beau coffre en plus. Je vais prendre ce pont, il doit y avoir un truc aussi. Si ça amène à l'endroit de tout à l'heure, ça amène où ici? C'est là où il y avait la deuxième tortue, peut-être? Non, ça ramène là-bas. Ok, ok, ok. Bon, vas-y, on va aller au truc. Bon, là, j'ai plus aucun truc à apprendre pour l'instant. Peut-être qu'on va augmenter les sorts en attendant d'avoir un nouveau pouvoir. Je sais pas si on va débloquer des arbres par par élément, par phénix et tout. On verra bien. Merde! J'avais le chien. J'utilisais un sel de force, je voulais pas. Chier! Pour des combats, on va dire, mais bon. C'est quoi ici? Juste des ruines. Et un cimetière. Ok, bon, bah, plus rien. Y'a plus rien. Je vous salue. Je regrette, mais le monastère n'est pas ouvert aux prières publiques. Que la déesse vous garde. Nous venons de la part de Martha. Prenez ceci. Je vois. Dans ce cas, veuillez me suivre. Non, je veux pas mourir. J'ai si mal, je ne peux plus. Pitié, donnez-moi quelque chose. Tout est noir, j'ai peur. Ne me laissez pas. Vous n'êtes pas seul. Je suis là.
Qui sont donc ces gens? Ce sont d'anciens esclaves qui ont été rachetés à leur maître par Martha. Je m'efforce de les soulager autant que possible. Ces hommes n'ont plus longtemps à vivre. Et l'Empire ne se soucie plus de leur sort. S'est emparé d'eux. Ils sont pétrifiés. C'est le sort que subit tout pourvoyeur abusant de son don. On les oblige à se servir de leur pouvoir, chaque jour, sans relâche. Avec le temps, leur corps se pétrifie entièrement, et ils finissent par être abandonnés. Malheureusement, les gens comme elle et moi ne peuvent rien faire pour changer cet état de fait. Alors nous devons nous contenter de rendre au moins leurs derniers jours un peu plus... humains. J'espère que ton âme trouvera le salut dans l'au-delà, par la grâce de notre déesse, la toute-puissante Gweligor. Merci, mon père. Je vous remercie d'être venu et de m'avoir apporté les remèdes de Martha. Ils auront au moins une fin un peu plus paisible. Quand vous rentrerez à l'auberge, donnez-lui ce message. Deux autres nous ont quittés. Allez, retournons à l'auberge de Martha. Ok. Allons-y. Ah oui, c'est loin. Comme TP ou pas? Comme TP, non? Let's go, hein. On a tout clean, hein. On mérite. Merci bien pour le service. L'abbé avait un message pour vous. Deux autres nous ont quittés. Je vois. Venez à l'étage. Bon, maintenant vous savez. Je réalise que je suis encore loin de bien comprendre la vie, et surtout la mort. Ils sont presque comme des gens normaux. Et pourtant, on les traite comme du bétail, comme des monstres. On les réduit en esclavage dès l'enfance. Nombreux sont ceux qui plaignent le sort des pourvoyeurs. Mais si personne n'agit pour changer les choses, alors leur situation ne s'améliorera jamais. Ils continueront de subir brimades et mauvais traitements. Et c'est pour ça que vous y décidez. Oui, même si ce n'est pas grand-chose. Tout ce que je peux faire, c'est les racheter à leur maître avec l'argent de l'auberge. Mais alors, dans ce cas, les pourvoyeurs du monastère... Oui, ils m'appartiennent, sur le plan légal.